chercher son tigre du sang français. Pour le bon plaisir de votre majesté, il y a dans l'armée française plus de 10 000 tués, dont 2 500 sont princes et nobles seigneurs bannerets. Voilà une royale compagnie de morts. Où est la liste des Anglais qui ont péri? Pour l'armée de sa majesté n'a perdu que le bon duc d'York et tout au plus 25 ou 26 simples soldats. Sans stratagème, dans un simple choc et dans un loyal jeu de guerre. A-t-on déjà vu perte si grande d'un côté et si petite de l'autre? Quel prisonnier de mal a-t-on fait? Il y a Charles, duc d'Orléans, neveu du roi et frère de Jean le Bâtard, le duc de Bourbon et le sire de Boussicot, et 1500 autres lords, barons, chevaliers, écuyers, sans compter les simples soldats. Qu'on exécute les prisonniers? Majesté, c'est impossible! Impossible! N'en déplaise à votre majesté, mais ouais, on ne peut pas expressément les ramener à Londres. Non, nous pourrons tous les ramener à Londres. Que chaque soldat égorge ses prisonniers. Communiquez cet homme. Et épargnez les princes et grands seigneurs. Nous en tirerons belle rançon. Bien, sire. Mon oncle ! Oui, sire. Quel est le nom de ce château qui avoisine de si près notre camp ? Le nom est le château d'Azincourt, sire. Eh bien, pour la plus grande gloire de nos Anglais, je veux que cette bataille soit pour toujours appelée la bataille d'Azincourt. Demain, dès l'aube, l'Anglais achèvera les malheureux qui encore gémissent. Ainsi s'éteignent les derniers chevaliers des temps anciens. Noble seigneur de France, à terre exécuté, la gorge tranchée par de simples archers, pleurant de finir si misérablement. Dans le désastre d'Azincourt avait sombré le monde féodal. Le Moyen-Âge allait mourir. La France allait naître. Charles, duc d'Orléans, frère aîné du bâtard, est fait prisonnier à Azincourt. Il restera 25 ans aux mains des Anglais. 25 années pendant lesquelles le bâtard, devenu l'unique dépositaire du duché, représente la puissante famille d'Orléans aux côtés de Charles VII et sur tous les champs de bataille du royaume que le dauphin avait à reconquérir. Les Anglais tenaient Paris, Le Mans, Anjou et jusqu'à la rivière de la Loire et par moquerie appelaient Charles VII le petit roi de Bourges. En 1421, à Baugé, les hommes de Charles VII emportent leur première grande victoire depuis la défaite d'Azincourt. En récompense de sa vaillance au combat, le bâtard allait être armé chevalier malgré son jeune âge.